Ah, on est reparti. Donc on était parti se tester. Le plongée. Quoique, il y a un monstre ici, on va se le faire. Ok, time to take you down. Ah non, il attaque le con. Ouais, on a envie de faire le con. Ouais, il pense quand même qu'on peut passer. Un petit oui. Si l'un d'un dernier cri à mi-pont essaye à point de récupération proche, puis revient, on est l'impression à partir. Cylindre d'argent. C'est l'heure d'en apprendre plus sur la récupération. L'icône que vous voyez en face de Rex marque ce qu'on appelle un point de récupération. Si vous possédez des cylindres, vous pouvez effectuer une expédition de récupération à n'importe quel ces points quand vous le voulez. Suivez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur les boutons au bon moment pour avoir chance de dégoter des trésors. Soyez synchrone et vous obtiendrez des trésors de grande qualité. En revanche, si vous n'appuyez pas au bon moment, la valeur de vos trésors diminuera. Les points de récupération sont disséminés un peu partout sur la Strest. Les trésors obtenus varieront selon l'endroit, alors tentez votre chance dès que vous avez l'occasion. Il est possible d'acheter des cylindres dans les boutiques de récupération éparpillées dans toutes les régions d'Alrest. Un cylindre de qualité permet souvent de récupérer un meilleur trésor, mais même une partie avec un cylindre bon marché, votre butin pourrait être tout à fait correct. Mais là, tout de suite, vous devrez profiter du cylindre que vous avez donné au oui. Tester un peu la récupération par vous-même. Et... Time for some treasure hunting. Ta. Et ah, j'ai appuyé trop tard. Onwards. This looks like it'll be something good. Un petit monstre en plus. Le plongée. No, we lost the upper hand. Hey, wait. Ha! Un peu plus de fight en ce moment, je trouve. Cool. Yes. Petit trésor. C'est beau ça. Et c'est terminé. Empire Amipon pense que le coin de nouveaux cylindres. Ouh, on dirait que c'était génial. Génial, oui, espérez pas de temps. Ah, je suis allongé, c'est mieux. J'espère que d'autres créateurs pensent tous pareil. Enfin, merci pour l'aide. Les cadeaux pour un mi-pont, 3 cylindres ordinaires, un mi-pont peut utiliser au même endroit. Oh non, que cylindre ordinaire. Si un mi-pont a encore de cylindres, pas hésiter à venir voir. Oui. Alors, juste pour le délire, on va tester les 3 trucs ordinaires. Je m'égare, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, remplir mon stock de provisions. Il n'y a plus de requins des nuages, mais... Enfin, j'ai déjà du requin des nuages, mais un peu plus de réserve ne serait pas du luxe. Je vais faire un petit tour au poisson. Poisseux au troisième niveau, j'y trouverai sans doute mon bonheur. Alors, ouais, là tu vas vraiment... Visite vraiment magasin par magasin. Des... Clash petit à petit les trucs pour pas que tu sois perdu plus tard. Mais ok, il faut faire gaffe, il faudrait pas. Oh, I love the smell of salvage. Ouh, c'est un truc rare ça, non?
ce. Oh. Le grand don. Okay. Treasure acquired. Sweet. You're all mine. Vas-y, ouais, pour le dire, on s'en fait un. Oh, I can't wait. Ah merde. J'ai merdé. J'ai merdé. Ah putain, je sais pas ce qui m'a pris. Ah, j'ai trop merdé là. Oh man. Did I come up with a load of guff again? Hein, c'est fort quand même. No! We lost the upper hand! Yeah! Ow! Hey, hey, ces deux, ils font mal, hein, les gens. Why not? Merde, il y a trop de gens. Ah, quand tu te bats contre deux ennemis, ça change tout. Nouvelle heure Taya. C'est A. Peut-être qu'il est. Perdu. La petite. Parfait. Parfait tout ça. Allez, vas-y, on se fait le dernier point de récupération juste pour le délire. Si on se rate pas. Time for some treasure hunting. Yo. Ta. Ah, j'ai plus trop tôt. Alors que le premier qui est plus dur à choper, ben, je l'ai eu. That could have gone better. Ça va être pas terrible. Pas terrible. Moi, on va tester une vite. No! We lost the upper hand! Dang! It's found us! Hop hop. Alors la question est, est-ce que si j'utilise la technique, l'autre s'en met à zéro aussi? Yeah! Ha! Yeah! Yeah! Ah non. Sword bash! Bien ça. Anchor shot! Ha! Tac. C'est cool tout ça. Bon, ouais, y en a plus rien. On avance. Ah oui, attends, oui. Oui, oui, il est là. Ah non, ok, on est obligé de continuer et tout. Pour éviter, à mon avis, pour éviter de dépenser trop l'argent. Et puis, on va suivre une mission de présent. On commence à avoir des discussions qui sont. Treasure acquired. Ok. Pourquoi pas? C'est cool. Ah oui. Et j'ai l'en haut quand même. Movie, je crois que c'est comme sur internet. Hein. Parce qu'il a dit qu'il revient. Bon. Au revoir. Poisson, poisson. Bienvenue à Nippon. Qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Non. Ça. Et hop, 5 comme ça. Et hop.
Donc c'est un peu effet Final Fantasy XV, tu bouffes, t'as des effets de ton équipe, on a eu une comme ça. T'as obtenu du matériel, des vies. Quand tout est prêt à partir en mission. Et là j'ai l'inquiète. Tiens, j'ai l'accessoire, est-ce que j'avais besoin? Est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai besoin en nourriture? J'ai bugué pour parler, ouais. Putain de pied qui. Et ça c'est chiant. Quand j'ai mon ordi, ouais. Je crois que je suis fin prêt. J'ai encore du temps avant le début de la mission, je pourrais aller me reposer à l'auberge. Je pourrais retenir voir papy, mais il va encore me faire la leçon. Oui, l'auberge c'est bien. J'ai encore beaucoup d'or sur moi, après tout, je peux bien m'offrir une nuit et douiller. Si je me souviens bien, l'auberge est à côté du coin même. Ok. À propos des lieux de repos, lorsque vous choisissez un lieu, un repos de courte durée, vous pouvez utiliser l'expérience bonus pour améliorer votre lieu. L'expérience bonus est l'expérience gagnée en terminant des quêtes et en découvrant des repères pour utiliser à faire et faire en somme un jeu. Copie des FF15. Si vous faites face à un ennemi trop fort pour vous terminer les quêtes pour accumuler des XP bonus et aller dans un lieu de repos pour gagner. Et si vous aimez les défis, vous pouvez aussi choisir de ne pas augmenter votre niveau dans les lieux de repos. Certains aiment vivre dangereusement. Bien, une grosse journée vous attend. Demain, vous ferez mieux de vous coucher pour être en forme. Je profite tous les bons. On va voir ça après. Bienvenue dans l'auberge de Bododo, auberge de meilleur repos. J'aimerais me reposer ici. Merci de m'avoir choisi l'auberge Bododo. Avoir. Hop. On peut changer. Ok, ok, ok. Bien. Tout ce qu'il comprend, c'est la touche B. Hein. Non. Oh, pourquoi? T'es douche. Je l'ai. Au moins, c'est cool la connexion ce soir. Eh? Y'a pas à dire. C'est pas la même chose que dormir dans une petite cabane sur le dos de papy. J'ai même l'impression que je suis un peu plus fort qu'avant. Bon, il faut que j'aille sur le point de rendez-vous. Si j'ai bien compris, il faut que j'aille à l'embocataire de niveau 1. J'ai peut-être encore un peu de temps pour faire des emplettes ou me blader dans le commun. Je dois faire en sorte de ne pas être en retard ce niveau. Là, je crois que je suis enfin libre. Des magasins sont désormais. Des magasins sont à disposition. Elle reste une grande variété de commerces. Les guides de commerce d'Argentine est connu comme étant le cœur des commerces d'Eldrest. Attendez-vous. Donc, allez trouver une multitude de magasins différents. Et avant de partir à l'aventure, assurez-vous de vous prêter tout ce que vous avez besoin. Ugh, I slept like a baby. Eh eh eh. Treasure acquired. Où on se loue? J'ai encore. Alors, décidément, comme ça, toi. Et bon. Tiens. Oh, il y a encore une chose. Vous connaissez l'existence de la sacoche de Rex. Rex a toujours sa sacoche avec lui. Vous pouvez y ranger ses objets favoris ainsi. Ils sont toujours à portée de main. Par contre, la sacoche ne peut accueillir qu'un seul objet. Elle est fou. On va mettre un objet. Un d'avoir sur soi type de magasin, reste si vous pouvez. Si vous rencontrez un nouveau type de magasin, regardez donc ce qu'il y a à vendre. Ah ouais. Le bouffe. On va faire un tour de tous les magasins. Pas droit d'aller.
Donc ça, c'est une quête. Bonjour. Yo. On a juste commencé une partie... Une partie de cache-cache. Si vous voulez que quelque chose faut... Non, plus tard. Minute. Et on veut dire... Et lui, avait pas pensé. Bon, si vous assistez, on veut bien de vous. C'est d'abord vous qui cherchez. On m'occupe. Ou alors, vous avez envie de jouer. Et lui, explique les règles. Derrière de cache-cache, c'est tout le niveau du sol de Godmove. Parce que si on commence à compter le reste, alors le jeu dure trop longtemps. Et puis alors, ma pompe non grande fort. Quand tout le monde débusqué, rendez-vous ici au salon du bosquet. Compris ? Compris. Le de cache-cache pas très grande. Les mini-ponts sont champions. Je les retrouve là. C'est vrai que... On joue à cache-cache tous les jours et on ne trouve pas toujours. Ok, mini-pocon se cache maintenant quand il passe à les chercher. Alors, c'est à cet étage-là ou... Ah, t'as une quête pour moi, toi aussi. Bonne à gauche, bonne à droite, devant un dessiné, mes heures de travail, Gibby. Comment ça? Emily devait prendre la relève de Gibby. Et Emily a dit à 3821 secondes d'or. 3600 secondes, c'est un milliard. D'ailleurs. La millième qui a fait ça. La millième fois que GGB va rater l'heure de manger. Ça, c'est pas cool. GGB voudra bien aller, aller trouver une mini et le gronder pendant des heures. Mais GBI doit monter de garde et j'ai tellement sommeil et tellement faim. Je peux aider si c'est ok. Ami Pont veut aider GGB. Merci, GGB trop content. Alors, faut aller chercher une mini et lui dire que c'est l'heure de remplacer GGB. Je vais voir ce que je peux faire. Bibi compte sur vous. Ah, failli oublier. Emily adore observer les gens qui font récupération et perd notion du temps quand elle est en train d'observer. Je crois que je l'ai déjà croisé. À un moment donné. C'est peut-être pas encore. Alors, toi, est-ce que tu... Ok, je crois... Hein? Ceinture de force, augmente la force de 20, augmente la force des terres de 20, augmente les dégâts des auto-attaques 20%, augmente les PV rendus de 25% parce qu'on est à gagner. Allez. Allez, je... Ça. On verra plus tard si j'ai pas autre chose. Ouais. J'ai pas imaginé. La fin des arts et des techniques. Oh, ouais. C'est beaucoup de bouffe dans cette histoire. Que faire, que faire? Non, pas, non, pas assez costaud. Je ne sais pas demander aux bêtes, chose ne va pas. Oh bonjour, vous savez, j'ai au port toute une cargaison de... que je comptais vendre à Uria, mais j'ai un tout petit problème. C'est presque ça. Sauf que c'est pas vraiment une personne. Apparemment, les bernirs raffolent de la marchandise que je transporte. Et pour mettre les grappins dessus, ils grimpent sur le pont et ils essaient de le voler. J'ai engagé des gros bras pour pouvoir monter la garde, mais ils ne sont pas tous ratatinés.
Et aux soldats. Alors me voilà à essayer de trouver quelqu'un pour les remplacer. Jusqu'ici, j'ai mis la main sur personne et j'ai commencé à désespérer. Je peux aider si c'est ok. Vous êtes en train de me dire que vous acceptez le travail? Merci, merci beaucoup. J'avais bien vu que vous étiez quelqu'un de spécial. La cargaison se trouve au quai de Gunmouth, ce sont des grandes caisses, vous ne pouvez pas les louper. J'espère que vous arriverez à chasser ces petits voleurs, Bernit. Merci d'avance. Ok. Merde, j'ai mis sur cette quête. Si on va revenir sur le livre. Ah, peut-être éviter d'acheter tout parce que j'ai vu que ça devient des objets intéressants. Mais tu récoltes du matos que genre que j'ai pêché, enfin que j'ai récolté, ou on crée des trucs. Moi je dis oui, ça a l'air cool. Mais d'habitude Camille est presque invisible, personne ne le voit, même quand elle se cache pas. Et pas mal non? Rien n'échappe à Mipo on dirait. Bon, Katemini dit au revoir, on va se retrouver. Ah oui, alors s'ils sont indiqués avec le truc bleu, ça va être très facile à les retrouver. comment vous avez trouvé aussi vite? Pourtant, c'est la meilleure cachette de ma vie. Derrière la caisse, juste là, ce sera encore mieux. Dégoûté. Et au moins, vous avez pas fait semblant de ne pas nous trouver. Bon, on retourne au salon du basket. Oups. Wheeling out the maelstrom for this. Banner sure has deep pockets. Gawking at a boat. What are you, 12? Wait, maybe you are 12. What's my age got to do with anything? I can tell an awesome feat of engineering when I see one. You don't close your mouth soon, you're gonna swallow a fly. What's our problem? We're nearly the same age. Also, you might want to watch where you stand. Otherwise, when we cast off, that rope will take your leg off. Huh? Gotcha. What, you little... Now look whose mouth's hanging open. Rex. We're heading out. There's no one seeing you off, right? You got night watch. Till then, rest up inside. Aye, aye. Later. Pas partir. Des quêtes à faire. Je suis en train de faire un cache-cache. Avant de vous reprendre l'aventure, il vous faut savoir quelque chose à propos des ventes d'objets sur le test. Vous savez peut-être que j'ai à faire eux, mais sachez que vous pouvez vendre trésors dans les bureaux d'échange. Vendez des trésors par lot et en obtenir un meilleur prix. Pendant... Si vous mettez la main sur les trésors, pas dans un bureau. Et... Ah, c'est peut-être ça. Et... Ah, attends, toi. Et par contre, c'était bien caché. Hein. Ah, pas eu le truc, j'ai arrêté. Désolé. Pas trop injuste en vrai. J'aime bien. Dedans, un Mipon a un talent spécial. Mais alors, Mipon, on retrouvait ta lumière en dernier. Alors, retournez ensemble au basket. Ok. Oh. Merci la mini-carte. Je comprends mieux pourquoi dire. Je vais pas me faire chier à tricher un peu avec la mini-carte ou l'enlever. Oula! The fuck? Attends.
No! We lost the upper hand! Merde, j'ai oublié d'activer l'équiper un truc. Ha! Anchor shot! Ha! Ow! Easy peasy! C'est personnage. Tac. Ah, ça coche. Ok. Oh, je me suis fait un petit peu. D'accord. Alors, hop. Okay, time to take you down. Yeah. Ha! Oh là, c'est arrivé à tout. Okay, time to take you down. Maintenant, ces monstres-là, on les tue facilement. Il est mis. Ah, pièce! Le mec! Heureusement qu'on meurt pas. Heureusement qu'on. Merde. Dommage. T'imagines? Parce que moi au début j'ai cru, vraiment cru qu'on était au-dessus du ciel et tout. Et je fais non. Pas autrement, ok. J'appuie sur. On va voir vite fait, oui. Vas-y, on va replonger un peu après, juste pour le délire. C'est un peu cher quand même, je trouve. On échange aussi, c'est... Mais on fera pas les plongeons, on gardera... pour d'autres zones. Tout le monde l'a retrouvé. Salut lui, il est retrouvé trop fort. Ouais, c'est vrai. C'est mieux pour l'avoir joué avant lui. C'est vrai. Ouais, dis pas merci aussi. Ouais, ouais, j'allais le dire, merci d'avoir joué. Mes parents n'ont jamais eu le temps de jouer avec moi, jamais, jamais. Et aujourd'hui, c'est vraiment bien, mais c'est trop bien que vous pouvez jouer avec moi. On aurait encore joué, hein. Compris. Mais... Mipon, un petit cadeau pour nous. C'est Lulu, espère que Mipon trouveront pas que c'est super très bien. Merci. Bon, vous avez sûrement plein de trucs à faire. Les autres. On vendra bientôt. Bientôt. Là, je termine. J'espère que. C'est pas la même chose, ça. Ah, finalement, on va peut-être monter la force à la place, hein. Donc. De dégâts. Enfin oui, forcément je fais plus de dégâts. Est-ce que c'est mieux force? Est-ce que c'est mieux augmenter 20% les attaques? Oh putain, par contre. Sword
bunker shop. Ha! Dang! It's found us. Là, on commence à être sur du vrai combat là. Yeah! Ha! Sword back! Yeah! I'm feeling stronger than before. Ha! I guess I'm anchor shot! Ha! Yeah! I guess I really am the best. Sword bash! Ha! Hey, il dit si, il est contourné quand même maintenant. Bah oui, vous deux maintenant les monstres, ils sont un peu plus intelligents que le niveau 1. Bon, je pense que les Bernie 30 en viendront pas de sitôt. Allons faire notre rapport à ISL. Il est quoi de beau lui? Je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Laisse tomber, ça a l'air louche. Mais ça vient du président Bana, c'est forcément réglo. Et puis j'ai déjà accepté l'avance, ça ira bien. Les grosses primes impliquent de gros risques, tu sais. Je conseille vraiment d'y réfléchir. Je crois vraiment que c'est un travail pour toi. Mais je vais travailler avec des pilotes, ce sera peut-être ma seule occasion. Ça doit être une sacrée expérience. Et toi qui as toujours dit l'expérience est primordiale, non? It's a new day, everyone. Huh. Il doit se faire chier à force. De retour. Si. Grâce à votre intervention, les Bernie Trent ont décampé, j'ai pu effectivement les passer. Je suis extrêmement. Non, rien vraiment. Je me sentirais mieux si les gens comme vous étaient à mon service, mais bon. Désolé, mais non. Vous savez quoi? Si les Bernie Trent se remettent à marauder dans le coin, je vous ferai appel aux mercenaires de Gaffron. Il paraît que ce sont des gens. Ces gens-là sont des gros durs professionnels. Et pardon de. Exercer. Merci. Et voici de quoi vous remercier d'avoir protégé ma marchandise. Et c'est pour vous. Action des deux. Terminé. Annihilé. Voilà que je voulais aller. Et du combat. Ok, time to take you down. Ouais. Ok, time to take you down. Ha! Finalement aussi fait que le gameplay hein. On se serait plus vers là-bas. C'est quoi toi? On passe pas de l'argent sur lui. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément. Je vais faire tout. Oui, donc c'est bien toi que je me disais bien que c'était. Il a regardé le récupérateur pendant tellement longtemps qu'il avait oublié son fin. Pas bougé, là. Et tant que faire.
On va aller. T'as de la chance. T'as indiqué, je me rappelais où c'était. Hop, une roulée. Voilà. Il y a un gros problème. Donc les mini bavaient un peu. T'es très précieux trésor, les mini doivent le trouver. Là un mini a super idée. Donnez tes détails. Mini va devenir récupérateur et retrouver vilain Bernie rusé trop fort. Bon, mon mini va apprendre à nager à partir de demain. Je dis si c'est ok. Ou bien les mini apprend pas à nager ou demande à un ami-pont de récupérer collier et la poser les mini. Ok. Ouais. L'ami-pont est super sympa. Va porter rouler. L'ami-pont est collier. Bernie rusé est sûrement retourné dans les profondeurs des mers des nuages. Si mini retrouve le collier, pourra aller au travail. En attendant, les mini va pas manger son rouler. C'est un douilleur pour pas travailler. Ouf. Non, non, tiens. Oh, I can't wait. Okay. All right. I'm back. Miss me? Okay, bring it up. Ow! Est-ce que c'est toi qui a... Tu dis ouais, le gars, ça va juste chercher un mec. Je crois qu'il faut aller chercher la profondeur. Bon, et hop. Un peu, et après, ouais, non, faut aller chercher le mec qui est au fond de terre. Mais ils sont super par contre. On en prend d'autres. Ah bah lui, directeur là le colis. Ah, tellement délicieux au lit de la canopée. Voilà. Oh non, les mini a pas encore mangé. Encore mangé à moitié. Et colis à l'immini. Merci, souvenir maman pont à l'immini. C'est vrai que tout est réglé. Oh, les mini, trop pensé à collier et oublié de monter la garde à la place de GGB. Mini ne pas attendre GGB. Il a trouvé une excuse pour parler à lui. Sous le mec. Ah merci beaucoup, GGB peut laisser la place à l'ennemi. Et pas mal non. Il a exposé les précédents records, c'était 7600 en seconde, putain. Ouais. Comme c'est déjà la deuxième fois, GGB pouvait emmener l'ennemi 3 jours et 3 nuits. L'ennemi a donné à GGB moitié des 6 roulés. Bon alors peut-être qu'il peut pardonner. On dirait que tout arrive. GGB pas un monstre, générosité à GGB est vaste comme la mer du nuage. Oh, rouler à canopon rend GGB tout endormi. Voilà la récompense de GGB. Ah, de GGB. Si Amipon repère quelque chose suspect, ce que nous faut prévenir tout de suite. Où est les deux gardes quoi. Quête terminée, on est bon. Non, personnel, on va checker. On t'a dit, c'était agile.
Comment c'est ça aussi? Ok. Oh, wow, ça, on va garder ça. Parce que... Attends. Interface. Et là. Force des terres. On va attendre pour avoir un peu de force quand même, non? On peut renforcer mes techniques. Ah, les PA sont ok. On cherchait, ils sont où mes PA? Donc je suppose que plus tu utilises l'arme, plus tu gagnes des PA. Bon. D'ailleurs, bon, on va pouvoir partir. Sauf que à partir. Une 31 de jeu. Mais au début, on a fait pas mal de choses. Parti. Du coup, pour la rediff de ce 10e Xenoblade Chronicle 2, ça va s'arrêter ici pour ceux qui sont sur YouTube. Et bah, vite chaud. Évidemment, jusqu'à que je sois mort, crevé et à plat.